s'appelle. Il s'appelle encore parce qu'il est encore vivant, il s'appelle Maurice Chauffin, qui est un sonneur canadien de Vancouver. On nomme le père de l'écologie sonore, donc qui est le père de l'écologie sonore? Et aujourd'hui, c'est la World Listening Day, c'est la journée mondiale de l'écoute. Aujourd'hui. Bon alors. Militer pour une qualité de l'écoute et pour une esthétique de l'écoute. Alors ça touche à la fois à la musique, ça touche à la fois à l'art, à la performance, on va dire, et ça touche aussi au fait de travailler avec vraiment des aménageurs sur le terrain. Et le silence? Et le silence, il faut demander à John Cage qui a écrit un remarquable ouvrage. Chacun a son silence. Moi, je fais beaucoup de promenades sonores. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une des plus simples. Celle qu'on appelle à oreille nue, pas beaucoup d'artifices, sauf quelques choses par-ci par-là qui je dérogerai un petit peu à la règle. Et on va partir du principe qu'on va partager un moment d'écoute, qu'on est une sorte de communauté d'écoutants avec une énergie dans l'écoute, parce que c'est assez rare finalement qu'on se réunisse en groupe pour écouter, alors non pas les mêmes choses, mais en tout cas les mêmes lieux et les mêmes instants. Thank you.